2-0 devant Rouen, un résultat qui n'ajoutera rien à la gloire quelque peu chancelante des Stéphanois, mais quand même une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Mais il est bien certain que pour affirmer encore des ambitions nationales et par voie de conséquence européennes, il faudra revoir beaucoup de choses à l'ASE. Les Rouennais ont été hier soir de bons sparring partners, domination territoriale absolue des Verts, trop de ballons peut-être. A signaler Rocheteau, les célèbres dribbles et crochets sont revenus. Malheureusement, la réussite de boude le sympathique Dominique. Patrick Revelli se bat constamment sur le front de la ligne d'attaque et Sarah Magna est accrédité d'une bonne rentrée devant son public. En effet, il a pris tous les risques et on doit l'en féliciter car vous le savez, c'est un garçon qui n'a pas souvent l'occasion d'exprimer son talent en équipe première et en défense. Bonne rentrée également de Pierre Repellini. Alors peut-être une baisse de tonus physique générale, nous ne le pensons pas. Ce serait plutôt à notre sens l'usure du pouvoir, le désir de se surpasser. Mais avant d'être catégorique, il convient quand même de se souvenir des grandes heures vécues et aussi que c'est bien souvent dans les leçons du passé que l'on tire source d'avenir.